Bien le bonjour. J'espère que tout baigne et que tu es confortablement installé, puisqu'aujourd'hui on va parler de quelque chose de fat, une des choses les plus dures de la carrière d'un photographe, trouver son style. Après avoir échangé avec pas mal de potes photographes en me basant sur mon parcours et même en ayant échangé avec vous sur les réseaux sociaux, trouver son style aujourd'hui, c'est une des choses les plus dures dans la vie d'un photographe. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est évidemment définir c'est quoi un style de photographe. Le style d'un photographe, ça va être tout simplement la force commune, l'univers, le fil conducteur entre toutes ces images qui va se dégager de son travail et c'est ce qui va donc lui forger une identité. Bon, c'est peut-être pas assez clair. Truc tout simple, tu vas dans Google Images et tu tapes le nom d'un photographe qui pèse de ouf, Doineau, Depardon, Meyerowitz, et tu regardes l'ensemble des images, et il y a forcément un truc qui va se passer, il y a un truc qui va te sauter aux yeux, et ben là, ça, c'est le style d'un photographe. Pourquoi c'est important de trouver son style? Tout simplement parce que c'est ce qui va te définir en tant que photographe, c'est ce qui va apporter ton identité et qui va faire que ton travail est solide. Quand les gens ils vont voir ton bouquin, ton portfolio, ton site internet et qui voit l'ensemble des photos et qu'il y a une force commune qui se dégage, ça va donner beaucoup plus d'impact à ton travail et les gens t'identifieront directement à cet univers que tu as créé, développé. Et si tu as un style unique, autant te dire que ça cartonne. Et dis-toi que une fois que tu as un travail qui artistiquement est ouf, t'as plus qu'à savoir le vendre, donc t'as déjà la moitié du travail. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais te donner une espèce de routine créative que je me suis fait et qui me permet d'être constamment en évolution et en recherche d'identité et de style. Tout d'abord, on va partir d'un constat simple. Ton regard, tes yeux et ta tête, là, c'est une grosse boîte à images. Et cette boîte à images, il faut la nourrir. Il faut nourrir ton regard, donner la bouffe à tes yeux. Et pour nourrir ce regard, évidemment, il faut voir de l'image. Et non, Instagram ne suffit pas. Il y a une multitude de façons de découvrir de nouvelles images. Tu peux aller dans des expos, tu peux acheter des livres, des magazines, tu peux aller voir des films, tu peux regarder sur Internet. Il y a vraiment plein de choses à voir. Et un deuxième point important, c'est qu'il ne faut pas aller voir que ce qu'on aime. C'est important de savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Il faut être curieux. Et une fois que tu as toutes ces images, que tu vois des choses, là, on va passer dans l'inspiration. Si quelque chose te plaît, faut pas que tu aies la démarche à te dire « Ah bah ça, c'est beau, putain !» Non, il faut aller plus loin. Et c'est là où on rentre dans l'inspiration. Si quelque chose te plaît, il faut que tu arrives à dégager la force du travail qu'il y a sous tes yeux. Il faut que tu arrives à comprendre pourquoi ça te plaît, qu'est-ce qui t'a interpellé, qu'est-ce qui t'a plu dans cette image. Et là, une fois que tu auras détaché l'élément clé qui t'a touché, tu pourras essayer de comprendre la démarche et ça, c'est super important. Même sur les choses que vous n'aimez pas, essayez au moins de comprendre l'intention, le message, ce qu'a voulu transmettre l'artiste. C'est super important. Il faut vraiment essayer de tirer de chaque chose ce qui nous interpelle, pour qu'on puisse ensuite se le réapproprier, comprendre, assimiler ce qui nous a plu et non pas copier, mais essayer de garder ce petit truc qui nous a plu et de le réinvestir dans notre travail. Donc voilà, t'as vu plein d'images, t'as fait plein d'inspirations, t'as plein d'idées en tête et maintenant, avant de commencer à photographier, un truc tout bête que je fais souvent, c'est essayer d'oublier l'appareil que tu as entre les mains. Alors quand je dis oublier, je te parle pas de le laisser chez toi, ça pourrait être problématique, mais plutôt d'avoir pleinement conscience de ce qui t'entoure et de regarder les choses avant de regarder à travers ton appareil. Parce qu'un photographe qui fait de bonnes images, à mes yeux, c'est quelqu'un qui arrive à ressentir les choses avant tout. Il faut être acteur par rapport à tout ce qui t'entoure et pas spectateur et regarder bêtement. Il faut que tu essayes de comprendre. Exemple tout simple. Tu arrives dans un spot, tu vois un truc canon. Tu fais « Waouh, c'est trop beau !» Bah, tu prends ton appareil, tu fais une photo, logique. Eh ben non. Tu vois un truc trop beau et tu fais comme pour l'étape de l'inspiration. Tu vois le truc, tu te dis « Ok, ça a retenu mes yeux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc de ouf. Je sais pas, ça peut être la lumière, ça peut être une ombre, ça peut être une couleur. » Eh ben il faut que tu arrives à cibler cette chose et que tu te dises « Ok, c'est ça qui m'a tapé dans l'œil. »
Il faut que tu aies la démarche de te dire, ok, comment je vais faire pour prendre cet élément et réussir à retransmettre l'impression que j'ai eue quand je l'ai vu et le rendre le plus beau, ouf, canon possible. C'est pas mal comme petite technique. Moi, je le fais tout le temps, ça. Donc voilà, vraiment, avant de shooter bêtement, essayez de prendre conscience de tout ce qui vous entoure, d'essayer plein de positions, de bouger autour de chaque chose et prenez le temps, soyez pas dans le speed, dans le rush. La photographie, je pense que c'est beaucoup de patience. Et c'est tout bête, mais ce petit réflexe que je viens de te donner, ça va te permettre de visualiser chaque chose et de prendre en compte chaque facteur, chaque élément dans tes images pour avoir une meilleure idée de comment tu construis, comment tu composes ta photo, si tu arrives à vraiment comprendre tout l'environnement qui t'entoure, les choses, les lumières, les ombres, les mouvements, et ben là, ça t'aidera tout de suite à composer tes images parce que tu auras vraiment un regard sur tout ce qui t'entoure. Et là, tu te dis, ok, je vais pouvoir commencer à photographier. Et ben non, il y a un dernier truc que je vais te donner et qui est super important. Essaye de travailler en série. Pourquoi travailler en série ? Tout simplement parce que quand tu fais une série, tu dégages une force commune plusieurs images et ça, c'est super important. Défendre une même idée avec plusieurs clichés, c'est forcément créer un petit style sur quelques images. Donc si tu arrives à créer un petit style, peut-être qu'après tu pourras agrandir et créer cette espèce de ligne directrice dans tout ton travail. Attention, ça peut porter à confusion quand je dis que c'est important de trouver son style et d'avoir un style bien à soi, ça ne veut pas dire photographier la même chose tout le temps. Il y a des photographes qui sont les boss of the game, ils arrivent à photographier de la mode, du sport, portrait, la street photo, et tu sens que c'est leur identité, que c'est leur univers. Alors ça respect, ceux qui font ça, respect, parce que là c'est vraiment level up. Bref, on ferme la parenthèse. Maintenant, tu l'auras compris, tu peux commencer à photographier pleinement en ayant conscience de ce qui t'entoure, en étant inspiré avec plein de nouvelles idées en tête et en faisant des mini-séries. Ce qui va être important après avoir photographié, ça va être d'analyser, de prendre du recul sur tout ce que tu as photographié, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, comparer avec tes inspirations, échanger avec des potes dont tu apprécies le travail et qui peuvent t'apporter un regard important et constructif sur ce que tu as fait. Et une fois que tu as terminé toute cette démarche, eh ben, tu recommences. Parce que c'est à force de photographier qu'on apprend et qu'on grandit et qu'on trouve son style, son univers. Et voilà, moi c'est quelque chose que j'applique depuis, je sais pas, peut-être 2-3 ans et j'ai trouvé cette technique avec du recul, en fait, je l'ai fait sans m'en rendre compte et je décortiquais tout ça et je me suis dit, mais en fait, tu fais ça tout le temps et c'est ça qui te permet d'avoir de nouvelles idées, de rester créatif, de toujours essayer de creuser et d'apporter de nouvelles choses à ton univers et bah, j'espère que ça se ressent. En tous les cas, moi, je me sens bien avec ce que je fais et je pense que c'est une des clés dans la carrière d'un photographe, se sentir à l'aise avec son travail. Donc voilà, j'espère que tous ces petits conseils t'auront aidé. C'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur parce que c'est vraiment une étape cruciale pour moi dans la carrière d'un photographe. Et j'espère que tu prendras plein de petites notes et qu'il y aura des choses qui t'ont aidé. Peut-être qu'il y a des choses que tu faisais déjà, mais bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très vite pour une prochaine. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à mon Insta pour avoir ta petite dose de photos. Et voilà, moi je te dis à très vite. C'était Jonath vous parle créativité. Ciao.